Salut les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée au sanctuaire de Zelda Breath of the Wild. Et oui, je suis ici entre les profondeurs d'Akala et les hauteurs d'Akala, toujours dans le petit domaine près de la petite balise rose-violet, je sais pas trop. Alors, je suis ici, voilà, je vous montre correctement. Donc, il y a un relais, comme vous pouvez le voir en face, et juste derrière nous, le sanctuaire qu'on va aller découvrir ensemble. Donc c'est le sanctuaire de Katsutoza. Allez, révèle-nous tous tes secrets, petit sanctuaire. Donc on va déjà descendre pour voir. Mécanisme de Katsutoza. Donc, mécanisme, qui dit mécanisme. Haha! Alors, on a un marteau. Oh oui, je pense que ça va être assez simple. Donc là, il va falloir se servir de la manette comme d'un joystick, enfin je sais pas comment on dit, petite plateforme qui va permettre de bouger. Donc là on a une boule, on a un marteau. Donc il va falloir pencher et taper droit déjà. Je sais pas si ça... Ah, peut-être une chance. Oh, j'ai même eu beaucoup de chance. C'est... Voilà, bon, j'ai eu de la chance là quand même, on va pas se mentir. Ouais, c'est... Je suis pas parti spécialement droit. Donc voilà, on a déjà fini le sanctuaire. Donc c'est simple. Mais il y a quelque chose derrière. Pourquoi? Regardez, il y en a encore un autre. Et là, c'est on joue pour un coffre. Ah, on va prendre la manette bien droite. Alors, plus compliqué maintenant. Va falloir essayer... Bon, déjà, je bouge la manette dans le mauvais sens. Bon, va-t'en, petite boule. Donc va falloir taper la boule sur le côté comme ça. Là, je sais plus comment... Ah, voilà. Faut que je tourne et que je tape. Alors, hop. Il faudra se mettre comme ça. Sauf que là, la boule, elle s'est tirée. Alors, non, 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 non. La manette, non. Alors, faut que je tourne comme ça. Faut que je passe comme ça. Et que je tape. Est-ce que j'ai eu assez de force? Ouh, c'est pas mal du tout, ça. J'ai vu... Ouf, j'ai cru que j'avais eu trop de force. Mais non. Vraiment, c'est bon. Allez, bien. Et là, ça, voilà, ça nous a, en fait, comment dire, fait apparaître une plateforme pour aller chercher le coffre là-bas. Donc j'espère que c'est sympa ce qu'il y a dedans, parce que c'était assez simple, ça nous permet de jouer un petit peu plus dans ce sanctuaire. C'est rigolo, c'est assez simple, faut bien tourner la manette, en fait, c'est ça, à chaque fois, on n'est pas bien placé, on bouge trop la manette, et bam, on tape dans la boule, comme là, j'ai tapé, je suis obligé de relancer. Une épée, une longue épée de glace, c'est pas mal, mais 30, 30, 30. Celle-ci, ça fait un moment que je me trimballe ça quand même. J'ai tapé pas mal de monstres avec. Bon, je vais changer. C'est triste. Je te dis au revoir. Voilà. Bien chuté. Et je vais prendre l'épée de glace alors. On me l'offre généreusement, donc je vais la prendre. Par contre, je pense que je vais pas l'équiper parce que. Bah si, je... Et puis au final, voilà, c'est devoir être mieux. Donc, hop, voilà. Et on va retourner au sanctuaire. Ouh! Le triomphe de l'épreuve. Emblème du triomphe. Donc voilà, on en est à notre dixième, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai récupéré mes cœurs. Et voilà, mon devoir est désormais accompli. Et oui, mon devoir à moi aussi est désormais accompli. J'espère que ce sanctuaire vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, un maximum de vues. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos aussi sur les sanctuaires, sur plein de choses sur Zelda et sur d'autres vidéos. Et bah, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Il y a une petite pastille bleue là, qui se met là, avec mon logo et tout. Hein, vous cliquez dessus, hop, comme ça vous êtes abonné. Et puis vous pourrez suivre mes prochaines vidéos. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!